អញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំនួយជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការហើយពេលវេលាដែលនៅសេសសល់នៅព្រឹកនេះគឺអង្គជំនះនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មអ្នកជំនាញរ៉ាអ៊ូលម៉ាកេណាមន្ត្រីតុលាការអញ្ជើញអ្នកជំនាញមករ៉ាអ៊ូលម៉ាកេណាចូលមកកាន់បន្ទប់សមាការ Je m'appelle Raoul Marc Génard, Monsieur le Président. Raoul Marc Génard, ta lok mien ayu pon man chnam hai. Soixante-trois ans, Monsieur le Président. En France, Monsieur le Président. Je suis consultant en relations internationales, Monsieur le Président. Je ne suis d'aucune confession, Monsieur le Président, je suis athée. C'est tout à fait exact, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président.
បាទលោកប្រធានកឡាំជីសមនការកញ្ញានាតាសាសូមសម្រាប់នរុលរៀបចំដល់លោករ៉ូលម៉ាក់សង្ណាដើម្បីឲ្យលោកធ្វើសច្ចាប្រណិធានតាមជំនឿរបស់គាត់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ Bonjour, monsieur l'expert. Veuillez répéter après moi. Je prête serment d'apporter. Je prête serment d'apporter mon concours à la chambre de première instance, fidèlement, confidentiellement, et au mieux de ma compétence. Je prête serment d'apporter mon concours à la chambre de première instance, fidèlement, confidentiellement et au mieux de ma compétence. Oui, bonjour Monsieur Génard, je suis donc le juge Lavergne. Je vais vous poser quelques questions. Il est d'usage devant cette cour, avant de laisser la parole, de poser quelques questions pour démontrer votre compétence à intervenir en tant qu'expert. Donc, je vais reprendre quelques éléments de votre biographie, vous m'indiquerez s'ils correspondent à la réalité ou non. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez disposé de diplômes d'université belge et française. Vous êtes, si je ne me trompe, docteur en sciences khmer, un diplôme en études khmer, un diplôme que vous avez obtenu auprès de l'INALCO. Vous avez exercé différentes activités professionnelles, professeur de français, journaliste, conseiller auprès du gouvernement belge, conseiller au Parlement belge, conseiller diplomatique du Forum international des ONG au Cambodge, consultant auprès de l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, responsable du programme de l'UNESCO Culture de la paix au Cambodge, consultant auprès de l'Union européenne pour les questions politiques cambodgiennes. Vous avez également été observateur international lors du retrait du Cambodge du corps expéditionnaire vietnamien. C'était en septembre 1989. Vous avez également été observateur lors des élections de 1993, 1998 et 2003. Vous êtes membre du, l'intitulé en anglais, Academic Board of Advisors of the Documentation Center of Cambodia, c'est-à-dire membre, si je traduis en français, du comité scientifique des conseillers du Centre de Documentation pour le Cambodge. Est-ce toujours le cas? En fait, ce conseil scientifique a été créé à l'initiative de l'Université de Yale pour mettre en place ce qui est devenu aujourd'hui DICICAM, et ce conseil de scientifique est dissous. Vous avez également exercé d'activité de chercheur auprès de l'ONG de développement Oxfam sur des dossiers relatifs à l'OMC.
Vous avez travaillé en tant que consultant auprès de différents groupes parlementaires pour les questions liées au problème de la mondialisation. Voilà. Est-ce que vous souhaitez apporter d'autres précisions concernant donc, ce bref rappel biographique? J'indique également que vous avez écrit différents livres qui concernent le Cambodge. Notamment, vous avez écrit un livre sur les constitutions du Cambodge, un autre livre qui s'appelle « Les chroniques cambodgiennes », un livre également qui s'appelle « Les clés du Cambodge », et enfin un dernier livre qui s'appelle « Cambodge, une presse sous pression ». Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter concernant donc, cette biographie? Et éventuellement, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été ou si vous êtes toujours conseiller du gouvernement royal cambodgien? J'ai rien à ajouter par rapport à ces éléments biographique et bibliographique, monsieur le juge, et je confirme que je suis consultant auprès du gouvernement royal cambodgien, particulièrement pour les questions, pour des questions relatives aux affaires étrangères et en particulier aux questions frontalières. Je suis l'auteur d'une thèse de doctorat sur les frontières du Cambodge contemporain. Alors, figure au dossier, une consultation, en tous les cas c'est le nom qui est donné à ce document, consultation qui vous a été demandée par la défense de l'accusé, qui est à la cote D82 du dossier d'instruction. Dans cette consultation, la défense vous avait demandé un certain nombre d'informations concernant les points suivants. Je vais les lire et ensuite vous donnerai la parole. L'inspiration idéologique du Kampuchea démocratique, les caractéristiques propres au communisme cambodgien, les pratiques de l'ANCAR, entre parenthèses, Parti communiste du Kampuchea, secret et terreur, la chaîne de commandement, l'appareil de sécurité, le rôle de la République populaire de Chine et la légitimité internationale du Kampuchea démocratique et Son Sen. Voilà, c'était donc les questions sur lesquelles la défense vous avait demandé des précisions. Alors, à titre liminaire, je vais vous laisser la parole et ensuite on vous posera des questions. Merci, Monsieur le juge. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres de cette Chambre de première instance, c'est avec une grande émotion que j'interviens devant vous. Émotion parce que je suis conscient du caractère historique de ce procès. Émotion parce que nous n'évoquons pas seulement des faits historiques, mais parce qu'il s'agit de vie et surtout de mort, de souffrances incommensurables et au total de l'apparition, encore une fois, de la barbarie, alors que celles et ceux de ma génération furent bercés par le « plus jamais ça ». Prononcé par Sir Hadley Shawcross, le procureur général britannique, dans son réquisitoire final devant le tribunal de Nuremberg. Aussi, permettez-moi en préalable de m'incliner devant la mémoire des victimes du Kampuchea démocratique et d'exprimer ma sympathie et ma compassion à l'égard des survivants. Le totalitarisme de droite a été jugé à Nuremberg et à Tokyo. Le totalitarisme invoquant des valeurs de gauche n'avait jusqu'ici fait l'objet d'aucun procès. Voici donc le premier et probablement le seul tribunal où vont être jugés les crimes d'un totalitarisme appliqué
au nom de l'émancipation des peuples. Je ne suis pas de ceux qui confondent les idéologies et les renvoient dos à dos. Les racines du communisme n'ont rien de commun avec celles du fascisme ou du militarisme. Mais lorsque les porteurs d'une idéologie font le choix de contraindre plutôt que de convaincre, ils se retrouvent dans le recours à des méthodes identiques et dans une commune aptitude à détruire la volonté des individus et la dignité qui est en chaque être humain. Il s'agit donc ici et maintenant de juger ce qu'il conviendrait à mes yeux d'appeler le polpotisme et de vérifier en quoi la mise en œuvre de cette variante cambodgienne de l'idéologie communiste a conduit à une barbarie qui justifie les qualifications de crimes contre l'humanité et de violations graves des conventions de Genève. Jugez donc, mais jugez, n'est-ce pas d'abord comprendre et expliquer? N'est-ce pas la vertu première de la justice que d'expliquer les comportements afin d'offrir à la société les raisons et les moyens d'éviter leur répétition? Jamais mieux qu'aujourd'hui, ici, au Cambodge, ne s'applique avec pertinence la terrible phrase de Primo Levi, un survivant d'Auschwitz, qui ignore son passé, se condamne à le revivre. Expliquer pour comprendre, et comme François Bizot l'a fort bien déclaré ici même, essayer de comprendre ne signifie pas pardonner. Tel sera donc mon propos. Je suis, Monsieur le Président, proposé comme témoin expert par la Défense, mais je tiens à déclarer que je ne suis pas ici pour défendre un système qui ne m'inspire que de l'horreur. Je suis ici, et c'est ce à quoi je vais maintenant m'efforcer, pour tenter d'expliquer un système qui conduit à la barbarie. Je suis ici pour m'efforcer de présenter, selon les termes de la décision de votre Chambre, les fondements théoriques et pratiques du régime de terreur instauré par le Parti communiste du Kampuchea et ses modalités d'application, en précisant dans quelle mesure les autorités de l'époque ont usé de cette terreur pour diriger le pays et en évoquant les conséquences de ce système sur les comportements humains. Fin de citation. J'ai accepté le souhait de la Défense de venir devant vous à deux conditions. Que je garde une totale liberté d'expression et que je puisse rencontrer l'accusé. Je ne crois pas avoir besoin de préciser que ma parole est libre. Par contre, il me paraît nécessaire de souligner la pleine coopération de l'accusé qui a répondu à toutes les questions que je lui ai posées à l'occasion des entretiens que j'ai eus avec lui pendant près de 6 mois. Je forme le vœu que mes explications aideront à comprendre ce qu'a si généreusement reconnu devant vous Vanat, une des victimes de Douche, à savoir comment un bourreau se retrouve, lui aussi, d'une certaine manière, victime du système qu'il sert. Un système. Car vous en conviendrez, il s'agit tout autant de juger ce système que ceux qui en ont été les exécutants. Il n'est pas possible d'ignorer qu'on se soit trouvé au Cambodge en présence de la part d'un petit groupe d'hommes et de femmes d'une conspiration criminelle pour asservir tout un peuple à une organisation décidée à imposer la plus totale forme d'aliénation qu'une société humaine ait jamais eue à subir. Cette conspiration a pris naissance dans l'adhésion de ce petit groupe qui a fourni les futurs dirigeants du Kampuchea démocratique à une idéologie qui, au nom de l'émancipation des peuples, s'est traduite par une des formes les plus implacables de la servitude. Car, et c'est le premier point que je veux soulever, s'agissant des antécédents idéologiques qui ont inspiré l'Angkar, à l'origine, la référence majeure pour le Parti communiste du Kampuchea, c'est 1917 et ses suites. Pol Pot,
dans son célèbre article de 1952 intitulé « Monarchie ou démocratie » et publié dans Kemaranizet, le bulletin de l'Association des étudiants Khmer de Paris, ne fait référence ni à la révolution vietnamienne de 1945, ni à la révolution chinoise de 1949, il évoque 1917. Je partage avec Steve Heder la conviction que la source première du communisme cambodgien, à la manière de Pol Pot, c'est la révolution bolchevique. Sans ignorer le rôle des communistes vietnamiens dans la formation idéologique et militaire des communistes cambodgiens, sans minimiser l'importance qu'a pu prendre le modèle chinois dans la politique agraire du Kampuchea démocratique, mis à part un degré de collectivisation et un démantèlement des familles rurales jamais atteint en Chine, il n'est pas contestable que pour ce qui concerne l'organisation politique et en particulier l'organisation du Parti communiste en ce compris ses règles et pratiques dans le domaine de la sécurité, l'inspiration est clairement bolchevique. Le petit groupe qui plus tard va former la direction du Kampuchea démocratique, ce sont pour l'essentiel les membres du cercle marxiste des étudiants Khmer de Paris, un groupe de discussion fondé en 1951. Plusieurs d'entre eux étaient à l'époque membres du Parti communiste français. Or, on le sait, c'est notoire de tous les partis communistes actifs dans les pays occidentaux, le PCF fut le parti le plus inconditionnellement fidèle aux politiques décidées à Moscou. Il fut le plus fidèle à Staline et à l'époque, plus d'un quart de l'électorat français lui faisait confiance. Les membres du cercle étaient des participants assidus aux cours de l'Université Nouvelle du PCF et de fidèles lecteurs des brochures de ce parti et du journal intitulé « L'Humanité » qui était à l'époque l'organe du comité central du Parti communiste français. Il y avait une cellule du PCF à la maison de l'Indochine de la cité universitaire, une résidence pour étudiants. Elle comptait 9 Cambodgiens. Lorsque fut créée la maison du Cambodge, une cellule semblable fut organisée. Des Cambodgiens qui habitaient en ville, comme Pol Pot, ont appartenu à la cellule communiste de leur quartier. Les cours de formation organisés par le PCF contenaient l'historique de la création de ce parti, issu de la volonté d'une majorité de socialistes d'adhérer à la Troisième Internationale, l'Internationale communiste. Or, une telle adhésion impliquait le respect de 21 conditions édictées par Lénine lui-même. Et parmi ces 21 conditions, on trouve l'obligation d'appliquer au sein du parti, je cite, une discipline de fer, de soumettre la presse et tous les services d'édition au comité central du parti, d'écarter systématiquement les éléments réformistes et centristes, de mettre en place une organisation clandestine avec la pratique du secret que cela implique. Permettez-moi de citer deux de ces conditions. La numéro 12, je cite, « Le Parti communiste ne pourra remplir son rôle que s'il est organisé de la façon la plus centralisée, si une discipline de fer confinant à la discipline militaire y est admise et si son organisme central, muni de larges pouvoirs, exerçant une autorité incontestée, bénéficie de la confiance unanime des militants. » Condition numéro 13. Les partis communistes des pays où les communistes militent légalement doivent procéder à des épurations périodiques de leurs organisations afin d'en écarter les éléments intéressés et petits bourgeois. Il est donc important de noter que les étudiants cambodgiens qui ont adhéré au Parti communiste français ont été formés à l'idée qu'un parti communiste doit pratiquer une discipline de fer et l'élimination des opposants et
des tièdes. Les interviews des membres encore en vie de ce cercle marxiste des étudiants Khmer de Paris sont riches en informations pour la question qui nous occupe. Ils nous apprennent en effet que parmi des livres de Marx, Lénine, Staline et Mao, deux ouvrages faisaient l'objet d'une lecture attentive et de débats passionnés au sein du cercle, de Lénine, l'État et la Révolution, et de Staline, les principes du léninisme. Dans le premier ouvrage, Lénine affirme la possibilité de faire la révolution même en l'absence de prolétariat, pourvu que le peuple dans sa majorité souffre de l'exploitation et de l'oppression et s'insurge violemment pour détruire la vieille société et en construire une nouvelle. Dans ce livre, on trouve également l'idée, reprise par Mao, qu'une fois renversée, la classe exploiteuse reste encore longtemps plus forte que la classe qui l'a renversée, et que la victoire des forces populaires ne signifie pas que les forces bourgeoises cessent d'être une menace. Le second ouvrage a ceci de particulier que selon les propos de l'accusé lui-même, à partir de 1970, tout nouvel adhérent au Parti communiste du Kampuchea devait lire cette brochure. Or, sous la plume de Staline, qui en est l'auteur, on y retrouve, au chapitre 8 consacré au parti, les fameuses conditions de Lénine. Les rapports entre l'URSS et les partis communistes n'avaient pas changé. La description qui est faite du rôle du parti mérite donc qu'on s'y attarde pour comprendre ce qui a été inculqué aux futurs dirigeants du Kampuchea démocratique. Le parti est l'avant-garde du prolétariat qu'il doit guider et conduire. Le parti est un tout unique organisé. Sa tâche est d'organiser et d'encadrer le prolétariat. Il est l'instrument de la dictature du prolétariat. 4. Le parti doit être organisé de façon la plus centralisée et il doit être régi par une discipline de fer touchant de près à la discipline militaire. Et Staline, de citer Lénine lorsqu'il précise que le centre du parti est un organisme jouissant d'une haute autorité investie de pouvoirs étendus. Selon Staline, qui cite Lénine à plusieurs reprises, la discipline de fer implique le refus des fractions à l'intérieur du parti, une obéissance sans faille, l'épuration des éléments opportunistes et réformistes. Il est explicitement écrit qu'on ne peut venir à bout de ces éléments par le débat idéologique. Il faut donc s'en débarrasser. Il faut même, dit Lénine, exclure d'excellents communistes s'ils sont susceptibles d'hésiter. Tel est le modèle de parti communiste qui est enseigné par le Parti communiste français aux membres du cercle marxiste des étudiants Khmer. Parmi les membres de ce cercle, il y avait non seulement Pol Pot, Yeng Sari, Yeng Tirit, Uyun, Khieu Samphan, Meyman, Chu Mung, mais pour le procès qui nous occupe, il y avait surtout Son Sen. Son Sen, en 1954, était membre de la cellule du Parti communiste français de la Maison du Cambodge. Celui qui deviendra membre du bureau permanent du comité central, vice-premier ministre et ministre de la Défense du Kampuchea démocratique, commandant en chef de l'état-major général et à ce titre, commandant de toutes les forces armées et aussi de la police politique, le Saint-Ébat. Son Sen, qui sera membre du Conseil national suprême créé par les accords de paix pour incarner pendant la période de transition la légitimité et la souveraineté du Cambodge. Son Sen, le mentor de l'accusé, celui qui l'a formé et qui l'a protégé avant 1975 comme après 1979, celui qui fut son supérieur hiérarchique
pendant les années pour lesquelles l'accusé est aujourd'hui jugé. Sun Sen est présent en France de 1950 à 1956. Il participe aux activités du Cercle marxiste des étudiants Khmer. Il est, comme je l'ai indiqué, membre du Parti communiste français. Comme ses camarades, il est plongé dans les débats qui agitent à l'époque le monde communiste, et il n'est pas indifférent pour ce procès de se souvenir de ce qui agite entre 1950 et 1956 le monde communiste. Dans l'Empire soviétique, on avait eu les procès de 1936 à 1939 à Moscou, qui avaient prononcé la condamnation à mort des plus célèbres artisans de la Révolution de 17 et démontré que nul n'est à l'abri de la justice du parti. Et voici qu'au moment où Sun Sen et les autres sont initiés au communisme soviétique, sont organisés en Europe de l'Est une série de procès retentissants qui mettent en cause d'authentiques révolutionnaires au passé quasi héroïque. Fin 1949 se tiennent les procès de Budapest et de Sofia, où des dizaines de dirigeants communistes sont inculpés, torturés et condamnés à mort. En novembre 1952, se tient le procès de Prague, qui vise Rudolf Slansky, secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque depuis 1945, ainsi que plusieurs autres dirigeants et membres du gouvernement, dont Arthur London, qui a laissé son témoignage sous la forme d'un livre intitulé « L'aveu ». Beaucoup étaient des héros de la lutte contre le fascisme dans les brigades internationales en Espagne et dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce procès est le plus important, à la fois par la personnalité des inculpés, mais aussi par le retentissement qu'ont voulu lui donner les soviétiques. Il s'agissait de montrer qu'en ces temps de guerre froide, une discipline de fer s'imposait, qu'il fallait procéder à des épurations du parti et que personne, quel que soit son passé et ses mérites, n'était à l'abri. Ce procès était un message envoyé à tous les communistes du monde pour qu'ils resserrent les rangs et servent sans broncher l'Union soviétique. En France, le journal L'Humanité relatera toutes les étapes de ce procès et ne cessera d'appeler à la vigilance révolutionnaire. À Paris même, le PCF ne veut pas être en reste et il organise lui aussi ses procès, mettant en cause deux communistes au passé héroïque, des acteurs décisifs de la défense de la République espagnole et de la résistance à l'occupation allemande, Charles Tillon et André Marty. Je ne détaille pas leurs titres, ils étaient impressionnants. Certes, à Paris, on n'a pas torturé, on n'a pas exécuté, mais ils ont subi le même processus de dégradation que celui mis en œuvre en Europe de l'Est. L'humiliation, accentuée par la solitude dans laquelle le parti place les inculpés en les dénonçant à leurs camarades. La négation du présumé coupable, dont toute la vie militante est remise en question. La calomnie, avec des accusations d'espionnage, de trahison, de travail de sape contre le parti et le peuple. L'enfermement dialectique. Ou bien, le prévenu reconnaît ses fautes, nie des années de dévouement, devient son propre accusateur et sert le parti, ou bien il refuse et il sert l'ennemi de classe. C'est ce processus de dégradation qui sera au cœur des méthodes employées à S21. On s'en rend compte. Alors qu'ils séjournent en France, ceux qui vont devenir les principaux dirigeants du Kampuchea démocratique reçoivent une éducation politique dont la caractéristique principale est d'être très largement inspirée par le modèle bolchevique et les méthodes, les pratiques du stalinisme. Or, comme déjà indiqué, un de ces étudiants cambodgiens est celui qui deviendra par la suite le mentor, le protecteur et le supérieur hiérarchique de l'accusé.
Si le modèle soviétique constitue incontestablement la plus importante source idéologique du Kampuchea démocratique, il ne faut pourtant pas négliger l'apport des communistes vietnamiens. L'œuvre théorique de Ho Chi Minh a été ajoutée aux autres sources du marxisme-léninisme. Mais rappelons-nous qu'Ho Chi Minh était présent en France en 1920 au congrès de Tours où furent longuement débattues les 21 conditions imposées par Lénine pour se constituer en parti communiste. L'inspiration idéologique vietnamienne ne se distingue donc guère de l'inspiration soviétique. La source vietnamienne reproduit la source soviétique. Elle ne constitue pas un apport original, mais il est important de la mentionner, puisque c'est à cette source vietnamienne que va, à partir de 1950, se former Nguyen Chia, qui sera, à partir de septembre 1977, le supérieur hiérarchique direct de l'accusé. De 1952 à 1955, Nguyen Chia va passer 3 ans au Nord-Vietnam pour y recevoir une formation politique intensive. Je voudrais maintenant examiner les 3 sources principales de la terreur comme méthode de gouvernement. La première source, à mes yeux, c'est une véritable culture de la violence. Ça a été mentionné tout à l'heure, j'ai été responsable du programme de l'UNESCO intitulé « Culture de la paix au Cambodge » et j'ai été amené à étudier la violence dans la société cambodgienne produite par les années tragiques de la décennie 70. Mais force est de constater que cette violence n'est pas un phénomène nouveau. C'est un fait historique que la violence politique est inscrite dans le tissu de la société khmère. Même si on accepte de se limiter à la période qui commence avec l'indépendance du pays en 1953, le constat est édifiant. Le Parti démocrate d'abord, le Parti communiste ensuite ont été successivement l'objet d'une répression systématique. Des dirigeants politiques, des journalistes d'opposition ont été assassinés, des opposants ont été fusillés et les images de leur exécution étaient présentées jusqu'à l'écœurement aux actualités cinématographiques. L'accusé était trop jeune au début des années 50 pour garder le souvenir des violences contre les personnes qui ont abouti à la destruction du Parti démocrate. Mais l'assassinat de Nob Bopan, le directeur du journal de gauche Prachichon, en octobre 59, l'agression et l'humiliation publique dont fut victime Khieu Samphan, alors directeur du journal L'Observateur, en juillet 1960. L'arrestation, la même année, de tous les éditorialistes de la presse de gauche, dont on apprendra après leur libération qu'ils ont été torturés, la fermeture des journaux d'opposition, l'assassinat du secrétaire général du Parti communiste en février 1962, les brutalités policières dont sont victimes les étudiants et les jeunes en général, en février 1963, l'exécution, filmée avec force détail de Preap Inh et présentée aux actualités pendant un mois en 1964, sont des violences qui ont marqué la jeunesse cambodgienne des années 60. À l'époque, l'accusé a 20 ans. Sous Sihanouk, il suffisait de publier un poème du XVIIe siècle invitant les fonctionnaires à ne pas maltraiter les gens pour se retrouver en prison. Avec le début de la guerre américaine au Vietnam, la violence va prendre une ampleur plus grande encore. Elle vient à la fois de l'extérieur du pays, mais aussi de l'intérieur. Des villages cambodgiens de différentes provinces limitrophes du Vietnam sont attaqués par les troupes sud-vietnamiennes encadrées par des officiers américains, causant la mort de centaines de personnes. À partir de février 1969, avec l'opération baptisée Menu, les bombardiers B-52 de l'US Air Force vont faire des milliers de victimes civiles. La violence venant des autorités cambodgiennes n'a pas décru pour autant.
La jacquerie paysanne, peut-être pour la traduction devrais-je dire la révolte paysanne de Samlo en 1967-1968, récupéré politiquement par la suite par le Parti communiste du Kampuchea, a été l'objet d'une répression, d'une férocité inouïe. Villages bombardés, paysans massacrés, prisonniers torturés, ainsi que leur épouse. On a assisté à des exécutions capitales d'une barbarie sans nom. La violence va prendre une dimension accrue, s'il était encore possible, avec le basculement dans la guerre, du pays dans la guerre qui suit le coup d'État pro-américain de mars 1970. Les protestations des adversaires du coup d'État sont sauvagement réprimées et on compte des centaines de morts dans les quatre provinces où elles ont lieu. Des populations civiles sont massacrées pour la seule raison de leur appartenance ethnique. On assiste à de véritables pogroms, de véritables massacres de populations vietnamiennes dont l'ampleur suscitera un temps l'émotion internationale. La violence aveugle des bombardements américains qui s'abattent sur les villages va s'étendre à l'ensemble du territoire national. Il me semble important de rappeler ici que nous savons, depuis que le président Clinton a ordonné la déclassification des documents relatifs aux bombardements américains au Cambodge, que 2 750 941 tonnes de bombes ont été déversées sur le Cambodge du 4 octobre 1965 au 15 août 1973 à l'occasion de 230 516 sorties de bombardiers. Par comparaison, 160 000 tonnes, en ce inclus Hiroshima et Nagasaki, ont été déversées sur le Japon de 1942 à 1945, 1 350 000 tonnes sur l'Allemagne de 1940 à 1945. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun pays n'a été autant bombardé que le Cambodge. Des villes comme Mimot et Snoul ont été rasées, l'université de Takeo-Kampot a été réduite en cendres, des milliers de kilomètres de canaux irriguant les rizières ont été détruits. Les défoliants versés par l'armée américaine ont empoisonné 150 000 hectares de forêts et de plantations d'EVA. Pendant la guerre 1970-1975, les combats s'accompagnent de violences extrêmes dans les deux camps. Tortures systématiques, têtes coupées, foie arrachées, comme si désormais tout était permis dans un déni total de la dignité humaine. Le Cambodge est plongé dans la violence jusqu'à l'incandescence. Les comportements de chacun en sont profondément marqués. Le règlement violent de toute forme de conflit est devenu une manière d'être et l'élimination physique, la seule forme de résolution d'un conflit. Deuxième source de la terreur comme méthode du gouvernement, la culture politique des dirigeants du Kampuchea démocratique. Comme je l'ai rappelé, plusieurs des principaux dirigeants du Kampuchea démocratique ont été formés, notamment en France, à une conception bolchevique et une pratique stalinienne du communisme. On a vu quels étaient les principes de Lénine sur le fonctionnement du parti, discipline de fer et élimination des éléments douteux. Rechercher l'ennemi à l'intérieur du parti et l'intituler d'une résolution du Cominform de novembre 1949, une directive de Rákosi. Le secrétaire général du PC hongrois, qui fut un des instigateurs des procès en Europe de l'Est, se traduisait par une formule sur laquelle je souhaite attirer votre attention. Il est préférable d'arrêter des innocents que de courir le risque de laisser des coupables en liberté. Cette phrase, publiée à l'époque dans le journal L'Humanité, on va la retrouver sous le Kampuchea démocratique dans deux slogans. Il vaut mieux arrêter à tort 10 personnes que d'en libérer une par erreur.
ou encore, il vaut mieux tuer un innocent que de garder en vie un ennemi. Vous aurez noté le glissement sémantique par lequel on passe de la privation de la liberté à l'élimination physique. Car, comme le rappelle Arthur Koestler dans le livre Le Zéro et l'Infini, lui qui fut membre du Parti communiste allemand de 1931 à 1938 et un des agents du Comintern, je cite, pour régler une divergence d'opinion, nous ne connaissons qu'un seul argument, la mort. La direction du Parti communiste du Kampuchea démocratique va appliquer au pied de la lettre la conception soviétique du parti telle que la plupart de ses membres ont pu l'observer depuis Paris. 1. Le Parti communiste du Kampuchea démocratique est dirigé par un centre investi de pouvoirs étendus. C'est le comité permanent du comité central, composé de 7 personnes et de 2 membres suppléants. C'est ce petit groupe qui concentre l'essentiel du pouvoir. Son Sen en est membre. Ce comité permanent, dont les membres exercent leurs fonctions dans un complexe d'immeubles portant le nom de code Bureau 870, assume en fait toutes les responsabilités conférées par les statuts du parti au comité central, dans tous les domaines, organisation du parti, administration, économie, défense, sécurité, le comité permanent exerce une autorité absolue sur l'appareil d'État comme sur l'appareil du parti, lesquels sont totalement confondus. 2. Le parti pratique une discipline de fer qui se traduit par l'élimination des ennemis de l'intérieur, une élimination qui n'est pas seulement politique, mais également physique, une élimination qui va s'exprimer par un mot. Écraser. Écraser signifie, selon les explications fournies par l'accusé lui-même, arrêter secrètement une personne, l'interroger en recourant à la torture, puis l'exécuter secrètement. Dans un carnet de travail de S21, daté de 1976, que d'aucuns ont appelé le manuel de la torture sur la technique des aveux, on peut lire que le but est, je cite, d'obtenir des aveux avec le plus de détails possible. Arthur London, qui a survécu au procès de Prague, rappelle dans son livre L'aveu, publié en 1968, le propos de son tortionnaire, ce qui compte, ce sont les aveux. Dans un des entretiens que j'ai eu avec l'accusé à propos de sa formation comme responsable d'un centre de sécurité, celui-ci m'a indiqué que, je cite, Pol Pot et Son Sen voulaient qu'on pratique les techniques soviétiques. Comme à Moscou, Bucarest, Budapest ou Prague, personne n'est à l'abri. À peine au pouvoir, le Parti communiste du Kampuchea commence à éliminer certains de ses plus prestigieux militants. Uyun, ancien député du Sankum, ministre du Grung, ministre du Kampuchea démocratique jusqu'à son élimination. Chuk, vétéran du mouvement Issarak. Kiyomias, vétéran du Pratichun, un des fondateurs du parti. Kiyomuni, vétéran Issarak. Meipo, le plus illustre des vétérans. Il avait participé au coup de force au Palais Royal le 9 août 1945. Nong Suan, ministre de l'Agriculture, tous ont été exécutés entre avril 1975 et décembre 1976. Koitun, ministre du Commerce, ancien collaborateur de Kyu Sampan au journal L'Observateur. Tukpun, ministre des Travaux Publics. Seudun, qui succède à Koitun comme ministre du Commerce. Sienyan, un des fondateurs du Cercle Marxiste de Paris. Pukchai, un jeune intellectuel de gauche que Sihanouk avait condamné à la prison à vie. Tiff Hall, ancien enseignant et intellectuel de gauche, contraint à la clandestinité à partir de 1967. Et Hunim, ancien député du Sankum, ministre de l'Information, sont exécutés à leur tour dans les semaines qui suivent. Même Nat, le premier directeur de S21, est emprisonné puis exécuté sur ordre du parti. Deux membres du comité permanent, Van Vett et Kung Sopal, seront exécutés en 1978. Exercer la direction d'un des 196 centres de sécurité ne mettait en rien à l'abri.
Si certains sont encore en vie aujourd'hui et ne sont pas inquiétés, plusieurs dizaines d'entre eux ont été exécutés. Pour tous les cadres du parti, le message est clair, personne n'est à l'abri. Le fait est que près de 80% des victimes de S21 exerçaient une fonction au sein du Kampuchea démocratique. Force est de constater que certaines de ces victimes de S21 auraient pu, s'ils avaient survécu, faire l'objet de la part de poursuites de la part des chambres extraordinaires. 3. Le Parti communiste du Kampuchea, à partir de 1963, opère dans la clandestinité. Il met en œuvre une pratique du secret et une méthode de cloisonnement qui deviennent un mode de direction du parti et, à partir de 1975, un mode de gouvernement du pays. En 1970, quand se crée le FUNK, ce secret concerne la force politique dominante en son sein et ses dirigeants réels. Pendant toute la durée de la guerre, outre le prince Sihanouk Onno, duquel toutes les forces du FUNK prétendent se battre, les personnalités mises en avant sont d'anciens députés progressistes du Sankum, Unim, Uyun, que Sampan. Les dizaines de milliers de gens qui entrent dans la forêt pour rejoindre le FUNK ne connaissent que le programme plutôt sympathique de celui-ci. Ils ignorent qu'au cœur du FUNK se trouve le Parti communiste du Kampuchea. Ils ignorent tout des orientations particulières de la direction de ce parti. En 1975, lorsque le FUNK remporte la victoire, rares sont ceux qui savent qu'il est depuis 1973 entièrement contrôlé par le Parti communiste du Kampuchea et en particulier par la faction du parti qui est la plus radicale et qui est dirigée par Pol Pot. Lorsque cette dernière prend le contrôle du pays en avril 1975, elle se dissimule sous un terme vague qui signifie en khmer organisation Lankar. Il est absolument nécessaire de maintenir le secret, déclare alors Son Sen. Depuis la libération, c'est le travail secret qui est fondamental. Le travail secret est fondamental dans tout ce que nous faisons, martèle Nguyen Chia. Pour préserver le secret et cloisonner l'organisation du parti, les ordres sont toujours transmis au nom de Lankar. C'est au nom de Lankar que toutes les décisions sont prises et exécutées à tous les échelons du pays et dans tous les secteurs d'activité. Cet anonymat du pouvoir réel lui donne une force particulière, car il suscite l'impression de la puissance et en même temps crée et entretient un sentiment d'incertitude et de crainte dans la population. Cette impression et ce sentiment se répandent rapidement, puisque c'est au nom de Lankar que sont imposées l'évacuation forcée des villes, la déportation et l'installation forcée dans des coopératives populaires, la suppression de la monnaie et la collectivisation totale du pays. Tous les aspects de la vie quotidienne sont placés sous l'autorité de Lankar. La peur s'accroît lorsqu'au nom de Lankar, des personnes sont convoquées et disparaissent à tout jamais. Cette peur se transforme en terreur lorsque les exécutions sommaires viennent s'ajouter à cette disparition. Tous les pouvoirs émanent de Lankar auxquels une fidélité absolue et inconditionnelle est exigée. Toute défaillance doit être avouée ou dénoncée. Il en résulte une pratique généralisée de la délation. Tout le monde surveille tout le monde dans un climat de terreur exacerbé où chacun est l'otage de l'autre et craint pour sa propre vie. C'est Lankar qui fournit la ligne politique, les instructions et les circulaires au cadre du parti, de l'armée et de l'appareil de sécurité. L'obéissance absolue due à Lankar est assimilable à celle exigée au sein du Parti communiste dans les pays de l'Empire soviétique. La comparaison entre certains slogans du Kampuchea démocratique et les formules utilisées lors des procès staliniens déjà évoqués est frappante. Arthur London rappelle que ces tortionnaires lui martelaient « Il faut que vous fassiez confiance au parti et vous laissez guider par lui ».
À quoi font écho les termes utilisés par les tortionnaires de S21 lorsqu'ils écrivent dans le carnet de travail déjà cité, je cite, la chose la plus importante est de croire d'une manière absolue dans le parti, ou encore croire dans le parti, respecter les instructions du parti absolument et inconditionnellement. Troisième et dernière source de la terreur comme méthode de gouvernement, la spécificité du communisme polpotiste. Le communisme du Kampuchea démocratique, que j'appellerai le polpotisme, offre un certain nombre de particularités dont la juxtaposition fournit une interprétation unique de la doctrine marxiste-léniniste parmi toutes les applications connues à ce jour. Cette interprétation accentue le terrorisme d'État propre à tout régime totalitaire. Le polpotisme n'est pas un internationaliste, il est nationaliste. Les dirigeants du Kampuchea démocratique véhiculent une forme expansionniste de nationalisme caractérisé par des revendications territoriales, des revendications irrédentistes. Leur discours évoque les terres perdues et parle de la nécessité de reconquérir ces terres jusqu'où pousse le tnot ou encore jusqu'où on trouve des inscriptions en khmer. C'est l'origine des attaques répétées contre le Vietnam et de l'obsession de l'ennemi vietnamien, une obsession qui, après la rupture des relations diplomatiques fin 1977 et l'instauration d'un état de guerre entre les deux pays, conduira à l'élimination de dizaines de milliers de personnes au motif qu'elles ont, je cite, un esprit vietnamien dans un corps khmer. Le polpotisme n'est pas démocratique, c'est un modèle achevé d'oligarchie. Le groupe dirigeant du Kampuchea démocratique n'a jamais bénéficié d'un réel soutien populaire. L'opposition à la République de Lon Nol était incarnée par Norodom Sihanouk, figure emblématique et lointaine, à l'ombre de laquelle agissaient Pol Pot et ses lieutenants. Le projet politique du Funk était sans rapport avec ce que sera la politique du Kampuchea démocratique, même au sein du Parti communiste du Kampuchea. La ligne politique de Pol Pot et des siens n'a jamais fait l'objet d'un soutien majoritaire formellement exprimé. Avant 1975, comme après 1979, les communistes cambodgiens, dans leur majorité, échappent aux caractéristiques du polpotisme. Il en est résulté de la part du groupe dirigeant un comportement de forteresse assiégée qui a trouvé à se légitimer par l'application des consignes sur la chasse aux ennemis de l'intérieur et par la pratique de l'élimination physique comme méthode de gouvernement. Le document du 30 mars 1976, intitulé « Décision du comité central sur diverses questions », aborde en premier lieu la question, je cite, « de l'anéantissement dans les rangs et en dehors des rangs du parti ». Le polpotisme est autarcique. La volonté érigée en slogan de ne compter sur ses propres forces conduit à un isolement qui renforce le sentiment de forteresse assiégée et la suspicion de tous à l'égard de tous. Le polpotisme contient une dimension raciste. Il faut protéger la pureté de la race khmer, fait partie des slogans les plus souvent répétés par les plus hauts dirigeants du Kampuchea démocratique. Cette volonté s'est traduite par l'élimination physique de groupes humains sommairement et étrangement définis, sino khmer, Khmer Thai, Khmer Vietnamien, Cham. Le polpotisme met en œuvre une collectivisation d'une radicalité absolue. Suite à l'évacuation forcée des villes, aux déportations successives de populations entières, à la collectivisation des terres agricoles, à l'abolition de la monnaie et de la pratique de l'échange, plus aucun bien, plus aucune maison, plus aucune terre n'appartient à un individu. La dépossession est totale. Elle est même poussée jusqu'à refuser aux personnes la libre disposition de leur identité, de leur temps, le libre choix
de leurs relations et même jusqu'à conférer à des cadres du parti le choix de la femme et de l'homme qui formeront un couple et le choix des moments d'intimité qu'ils auront ensemble. Dans les coopératifs où sont regroupés les Cambodgiens, il est fréquent qu'ils ne soient même plus propriétaires des ustensiles avec lesquels ils se nourrissent. Jamais dans l'histoire de toute l'humanité, on a poussé le collectivisme aussi loin que sous le Kampuchea démocratique. Jamais dans l'histoire des hommes ne fut poussée aussi loin la négation de la dignité qui est en chaque être humain. Jamais un régime politique n'a imposé une telle dépossession de soi, non pas uniquement à une catégorie donnée d'individus, mais à la totalité de la population, en ce compris le personnel au service de ce régime. Le polpotisme exprime une volonté de passer à la société nouvelle en un seul bond, sans ménager la moindre transition. Il s'agit de faire mieux que Lénine et Staline, d'aller plus loin que les Chinois et les Vietnamiens dans l'édification de la société de leurs vœux. Les transformations les plus radicales vont être mises en œuvre avec une intensité jamais égalée, sans la moindre considération pour le coût humain. Enfin, le polpotisme manifeste, comme rarement dans l'histoire de l'humanité, le mépris le plus total pour l'être humain, ainsi qu'en témoignent des slogans comme « Notre cœur ne nourrit ni sentiments, ni esprit de tolérance » ou encore « Qui proteste est un ennemi, qui s'oppose est un cadavre ». Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres de cette Chambre de première instance, l'accusé affirme qu'il fut tout à la fois le serviteur et l'otage d'un tel système. L'analyse que je viens de vous présenter me conduit à dire que la situation qu'il décrit reflète la réalité. Un grand intellectuel antifasciste, un des plus grands écrivains français du XXe siècle, qui fut aussi un résistant au franquisme et au nazisme, déclarait, je cite, « Nous avons refusé ce que voulait en nous la bête et nous voulons retrouver l'homme partout où nous avons trouvé ce qui l'écrase. » Il s'est trouvé, au plus haut niveau de la direction du Cambodge, des femmes et des hommes qui ont permis que la bête qui est en nous donne libre cours à ses pires manifestations. Ce sont ceux qui ont ouvert les portes de la barbarie qui porte la première et la plus grande responsabilité. Ceux qui suivent, par soumission ou par zèle, n'en sont pas pour autant innocentés. Mais je voudrais terminer par cette question, Monsieur le Président. Qui, en conscience, devant le dilemme de tuer pour ne pas être tué, peut affirmer qu'il se sacrifiera? Merci.
sommes d'une grande chose.